Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. J'espère que vous allez bien, que vous êtes dans la paix et la joie de Jésus. Et que si ça ne va pas, eh bien que vous remettez tout ce qui ne va pas à Jésus, notre bien-aimé, seul Sauveur. Amen. Évangile selon saint Marc, chapitre 6, verset 14. Les trois fois. C'est Jésus. La mort de Jean-Baptiste. Le roi Hérode entendit parler de Jésus car son nom était maintenant connu. Certains disaient, Jean-Baptiste est ressuscité d'entre les morts, aussi les forces surnaturelles agissent-elles en lui. D'autres disaient, c'est Élie, et d'autres encore, c'est un prophète comme étaient les prophètes. Mis au courant des faits, Hérode disait, j'ai fait décapiter Jean, mais le voilà ressuscité. Il faut savoir qu'Hérode avait fait arrêter Jean-Baptiste et le gardait en prison enchaîné pour l'affaire d'Hérodiade, la femme de son frère Philippe, qu'il avait épousée. Car Jean disait à Hérode, « Tu n'as pas le droit d'avoir la femme de ton frère. » Hérodiade lui en voulait terriblement, elle voulait le tuer, mais elle ne le pouvait pas. Car Hérode respectait Jean, il savait que c'était un homme juste et droit et le protégeait. Quand il l'écoutait, il ne savait plus que faire, cependant, il l'entendait volontiers. Un jour, pourtant, se présenta une occasion favorable. Hérode avait offert un festin à ses ministres, à ses officiers, aux notables de Galilée, à l'occasion de son anniversaire. La fille de cette Hérodiade entra pour danser et elle captiva Hérode comme ses invités. Le roi dit alors à la jeune fille, « Demande-moi ce que tu veux et je te le donnerai. » Et il lui fait ce serment, « Demande-moi si tu veux la moitié de mon royaume et je te la donnerai. » Aussitôt, la fille sort et dit à sa mère, « Qu'est-ce que je demande ?» La mère répond, « La tête de Jean-Baptiste. » Vite, elle revient auprès du roi et présente sa demande, « Je veux que tu me donnes tout de suite sur un plat la tête de Jean-Baptiste. » Le roi en est très contrarié, mais il a fait un serment et les invités du banquet en sont témoins, aussi ne veut-il pas lui refuser. Sur le champ, il envoie un garde avec l'ordre d'apporter la tête de Jean, et le garde va le décapiter dans la prison. Il rapporte sa tête sur un plat et la donne à la jeune fille, et la jeune fille la donne à sa mère. Lorsque les disciples de Jean apprirent la chose, ils vinrent recueillir ses restes et les déposèrent dans une tombe. Merci Jésus pour ta parole. Alléluia. Eh bien, cet épisode très triste de voir jusqu'où peut aller Hérode, l'abominable Hérode, et tant d'épisodes, on l'a vu de nombreuses fois. Il a voulu attenter, chercher à éliminer Jésus, bébé, le plus vite possible, en faisant des recherches. Alléluia, il ne l'a pas trouvé. Et cet épisode-là nous montre le niveau de cette cour qui était, c'est vraiment le niveau... un niveau effroyable. On peut parler de cet événement, mais personnellement, ce que je retiens, c'est que la danse de la jeune fille avait captivé Hérode, au point qu'il a fait ce serment absolument ridicule pour un roi devant les notables. On peut que s'interroger, à mon avis, on devrait s'interroger sur la danse. C'est une danse sans aucun doute démoniaque où l'ennemi des âmes s'est infiltré dans cette affaire et Hérode, qui devait déjà être
pas très clair, qui était déjà pas très clair, on l'a vu, s'est fait littéralement ceinturer, s'est fait complètement coincer par l'ennemi des âmes, le diable, le diviseur. Et on voit, c'est une belle leçon de méchanceté, de rancœur, puisque cet Hérodia, qui devait être aussi certainement une femme du même tonneau, nourrissait une vengeance. Jusqu'où peut aller la vengeance de certaines personnes qui se laissent aller à écouter le prince du mensonge, comme tu nous le dis, bien-aimé Jésus. Donc, à mon avis, la leçon de la parabole, moi je la vois là, chacun l'entend dans son cœur comme il l'entend, mais c'est assez terrifiant de voir, nous avons souvent, il nous vient des fois aux oreilles, des histoires sordides de vengeance, là c'en est un exemple très fort. D'autant plus fort que Jean-Baptiste était quelqu'un qui avait donné sa vie pour Dieu, pour le Père, et qui a aussi donné sa vie en accueillant Jésus, comme il l'appelait, l'époux de mon âme. Et il disait que sa joie d'être ami de l'époux, puisqu'il était cousin de Jésus, ami de l'époux, et bien sa joie en tant qu'ami de l'époux, il n'était pas l'époux lui-même, mais ami de l'époux, et que sa joie était complète, et que personne ne pourrait lui enlever cette joie. Donc, Saint Jean-Baptiste, qui était donc né de la cousine de notre Sainte Mère Marie, Sainte Élisabeth. Donc, vous imaginez la douleur dans la famille de Jésus. La parole nous dit que des disciples de Saint Jean Baptiste était venu chercher son corps. Eh bien, nous apprenons, et là aussi il me paraît important d'insister là-dessus, c'est que, je vous l'avais déjà dit, pas de moi-même bien sûr, c'est la Sainte Écriture qui le dit, que les disciples de Saint Jean-Baptiste n'était pas seul, il avait des disciples. Disciple veut dire celui qui apprend. Eh bien, plusieurs apôtres étaient des disciples de Saint Jean-Baptiste. L'Écriture nous l'a dit. Donc c'est important aussi à connaître, toujours pour comprendre le contexte. Je répète encore, pour comprendre la parole, il faut comprendre le contexte, comme le suggère, non pas ma petite personne, mais les exégètes. Ceux qui passent leur vie à étudier, qui ont passé leur vie à étudier la Sainte Écriture. Et ils ont raison. D'ailleurs, ce climat de haine, quand un homme passe comme Hérode un certain respect, admiration, contenance vis-à-vis d'un saint homme comme Saint Jean-Baptiste, à être capable de dire une connerie comme il l'a dit, et s'engager comme ça auprès d'une sauterelle qui danse bien, ça traduit qu'il nous faut travailler sur ne pas nous laisser aller à nos émotions. Nos émotions ne doivent pas être le dictateur de nos vies. Et il nous faut travailler justement si nous avons de la haine, et bien allons voir un prêtre et confessons-nous, demandons pardon pour cette haine et notre bien-aimé Jésus, tu nous en libéreras, alléluia. Car la haine fait faire des horreurs, tout le monde le sait, mais il faut se mettre au travail, au sens, bien sûr, ou se dégager, demander à Jésus de nous libérer de ces rancœurs qui ruinent nos vies, qui peuvent ruiner nos vies, mais heureusement, Jésus est là, le Sauveur est là, pour
nous libérer de cette haine qui peut vraiment faire d'énormes dégâts. Nous venons de le voir, c'est terrible. Donc pensons à ces braves disciples de Saint Jean-Baptiste qui ont certainement été immédiatement, pour ceux qui peut-être qui hésitaient à rejoindre Jésus, le Christ Jésus, comme dit le grand Saint Paul, car ils devaient être bien désemparés. Et dans cette histoire, effectivement, tout le monde a dû se tourner, enfin tout le monde, beaucoup de gens ont dû se tourner encore davantage vers Jésus, car ils devaient se sentir bien, bien tristes, bien isolés, sans leur Saint Jean-Baptiste, sans leur prophète, le grand Saint Jean-Baptiste. Merci Jésus pour ta parole qui nous éclaire, car tu es la lumière, et ne laissons pas les ténèbres s'installer en nous, car c'est le sens de la fête des chandelles hier, fête de la chandeleur, fête des chandelles, où nous avons porté la lumière, nous avons manifesté extérieurement notre lumière intérieure que tu es Jésus. Jésus est la lumière, comme dit le Saint Credo de Nicée. Amen. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon ta sainte volonté, ô Jésus. Sainte Marie, Reine des cieux, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrases le serpent, toi qui as la lune sous tes pas, toi notre Mère, Notre-Dame, Saint Joseph, toi le Juste et le Saint, toi le Sage, toi la Terreur des démons, toi le Saint Gardien de la Sainte Église catholique, apostolique, Sainte Marie Madeleine, notre chère Sainte Patronne, et vous tous les saints et saintes, amis de Jésus, Saint Michel Archange qui est comme Dieu, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange et tes anges guérisseurs, et vous tous les anges qui servez Jésus, je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches selon ta sainte volonté, ô Jésus. La paix de Jésus soit dans votre maison, et je vous dis à très vite.